Salut, salut, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année à toi, Flore. Bonne année à Oklahoma. Bonne année à Chichi, à Kameni. Comme toi, Ernest, l'homme qui est toujours fâché. Bonne année à toi. Et bonne année à tous ceux qui vont nous suivre. Bon, essayez de partager le live parce que maintenant. Bonjour Flore, Chichi. Partagez le live s'il vous plaît. Salut Alain. Salut, 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 salut Eric. Voilà, je me donne encore 30 secondes avant de commencer. Salut Jérôme. Salut, salut Alain. J'ai trop aimé ta gamme, comme disent les Ivoiriens. J'ai trop aimé ta gamme. Donc voilà, je me donne encore 30 secondes pour commencer et après on va commencer rapidement. Ce sera pas un live qui sera très très long, mais on va dire deux trois choses. Et puis le commandant, le caporal Grillet, bonjour, bonsoir, pardon. Voilà. Donc chers amis, on va pas attendre qu'il y ait une centaine de personnes parce que vu que moi quand je fais mes lives, je sais pas si c'est annoncé. Donc du coup, on va commencer et puis les gens prendront en cours de route. Ok. Dites-moi simplement, comme je suis pas quelqu'un qui parle fort, dites-moi si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, avant que je commence. Confirmez-moi que le son est bon. Confirmez-moi juste que le son est bon, que j'ai pas besoin de parler plus fort. Et après, je commence. Salut Nadine Chou. Bonne année à toi, bonne santé, meilleurs vœux. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? S'il vous plaît, répondez-moi, est-ce que le son est bon? Voilà, ok, c'est cool. Donc, ah, c'est très bas. D'accord, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Donc, chers amis, déjà, je tiens à vous saluer. Je tiens déjà à vous saluer, chers frères, chères sœurs, et vous souhaiter à tous bonnes fêtes. Je sais que c'est la formule qu'on s'envoie chaque année, bon meilleurs vœux, bonnes fêtes, etc., etc. On sait que ça veut tout dire et rien dire parce qu'en vérité, personne ne sait de quoi demain sera fait, mais on se souhaite ça, c'est l'usage, c'est la coutume. Donc je vous souhaite bonne fête. Alors, chers amis, il y a deux choses. Avant de parler du rendez-vous du premier, j'aimerais avec vous juste parler très rapidement, très succinctement, du discours de vœux de fin d'année de M. Paul Biya. J'ai pas dit le président, j'ai dit Paul Biya, parce que pour moi, c'est pas le président et pour moi, ce sera jamais le président. Ce sera jamais mon président parce que on a assisté à un hold-up électoral et on est encore dedans. Ce hold-up électoral n'est pas passé, cette crise post-électorale n'est pas passée, on est encore dedans. Donc pour moi, il n'est pas président. Voilà. Il est assis à étudier, certes, mais le peuple camerounais a porté ses suffrages en la personne du professeur Maurice Kamto. C'est lui le vrai président. Voilà. Et donc, moi, au départ, quand Paul Biya a fait ses vœux, j'ai pas regardé. J'ai regardé ce matin, en différé, parce que ce matin, j'avais un peu de temps à tuer. Donc, par curiosité, je me suis dit, bon, on va aller écouter. On va écouter. Et j'étais quand même surpris de voir que, même si on connaît les Sardinards, même si on sait que ces gens-là sont dans une logique limite d'autodestruction, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans une logique de ne pas changer et surtout dans une logique d'autoconservation, quelles que soient les circonstances, c'est-à-dire quoi qu'il puisse arriver, et qu'importe. Mais je me suis dit quand même, est-ce que il y aura ce qu'on appelle des mains tendues
Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut saisir la main de Paul Biya, mais je voulais voir quelle était leur position au gré de tout le fiasco que ces gens-là ont engendré au Cameroun. Avec tous les événements qui se sont enchaînés. Excusez-moi, il y a un petit problème technique. Je disais, avec ce que la BAS a fait, que ce soit à Paris, avec tout ce qui s'est passé, je me suis dit, quel est le mot pour essayer d'apaiser que Paul Biya va donner au peuple camerounais? Et comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il a fait comme si tout allait bien au Cameroun, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a dit, oui, on a demandé aux gens de déposer les armes. Ils ont refusé, donc du coup ils vont se heurter aux forces de défense et de sécurité. Ok. Et à la fin, il s'adressait à la BAS, il s'est adressé à la résistance en disant que oui, certains groupes d'extrémistes avec des pratiques un peu excessives doivent apprendre à aimer leur patrie et ne doivent pas parler mal de leur patrie. C'est-à-dire que j'ai eu pour moi l'impression qu'on a quelqu'un de complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que ce gars-là ne se rend pas compte à quel point il a frustré une grosse partie des Camerounais. Il ne se rend pas compte que la résistance est plus sur les dents que jamais, est plus déterminée que jamais. Vous avez vu la dernière fois, lors du live, lors du point presse qui a été fait par le commandant Calibri, auquel ont assisté, participé, pardon, fils du planteur, Stéphane Tchoumbou. Bon bref, fils du planteur Stéphane Tchoumbou, moi-même, voilà, vous avez vu à quel point les gens ont dit qu'ils étaient déterminés. Et je pense que quand Paul Biya, dans son allocution, dit, en nous traitant de je sais pas quoi, comme si on était avec mépris, et en disant qu'il faut qu'on arrête nos actions trop excessives, et qu'on se mette à respecter les autorités, j'ai comme l'impression que cet homme-là ne s'est pas encore rendu compte, non seulement du Mac Senior Ivoire, merci beaucoup Christine, c'est lui qui était là. Je pense qu'il ne s'est pas rendu compte à quel point la frustration des Camerounais est grande. Il ne s'est pas rendu compte à quel point la situation est tendue et surtout, il ne s'est pas rendu compte à quel point nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en zone anglophone, mais sont ancrés dans leur logique de résistance. C'est-à-dire que ces gens qui ont pris le maquis, on leur dit maintenant, déposez les armes et puis on va vous réinsérer. Soit dans l'armée ou je ne sais pas dans quel poste. Mais ces gens-là, ils ont maintenant un idéal. C'est-à-dire que ce n'est plus des gens à qui tu peux agiter une carotte. C'est plus des gens à qui tu peux essayer d'impressionner. Des gens qui ont pris les armes, qui sont partis en brousse. Est-ce que vous pensez que c'est avec deux, trois petites menaces ou deux, trois petites carottes qu'on peut les impressionner? Vous ne pouvez pas les impressionner, c'est impossible. Et nous-mêmes, au niveau de la résistance. Au début, il a commencé par la menace. Il a dit, lors de sa dernière allocution, il avait dit quoi? Il avait dit, les pays qui abritent les agitateurs de la diaspora, là, devraient sévir. Parce que la plupart d'entre eux ne sont même pas camerounais. Il avait dit ça. Et maintenant, il s'adresse à ces mêmes gens en disant, ces gens-là ont un comportement excessif et ce n'est pas bon. Ils doivent aimer leur patrie. Et il dit aussi que... Ils doivent respecter les autorités. Donc, après nous avoir insultés, après nous avoir méprisés dans son dernier discours, là, dans le discours de fin d'année, il dit quoi? Il nous dit tout simplement, bah, vous devez respecter les autorités. Il dit même que le Cameroun, on doit être démocrate, on doit agir avec démocratie. Et dans une démocratie, on accepte le verdict des urnes. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que dans une démocratie, on ne gagne pas une élection avec des PV non signés. Dans une démocratie, l'organe de comptage, l'organe de contrôle n'est pas à la botte du pouvoir. Dans une démocratie, ceux qui disent le droit ne sont pas sélectionnés, ne sont pas choisis par un des camps, parce qu'ils sont juges et partis. Il a dit que les Camerounais aillent pour voter lors des législatives, je crois.
Mais ce qu'il n'a pas dit, il a dit que ça, c'est la démocratie parce que ça permet de choisir ceux qui vont nous représenter. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que beaucoup de gens du MRC ont été pour porter leur candidature et les préfets leur ont mis toutes les difficultés du monde. Donc quand il dit, il veut parler de démocratie, mais de quelle démocratie parle-t-il? La démocratie que Biya parle là, il faut qu'il vienne en Europe. Et d'ailleurs, il connaît bien l'Europe puisqu'il est souvent en Suisse. Il est souvent en France, moins ces derniers temps parce que la base veille. Mais il a quand même eu l'occasion de parcourir le monde. Et il a eu l'occasion de voir qu'est-ce que c'est la vraie démocratie. Dans une vraie démocratie, n'importe qui peut aller s'inscrire aux législatives. Ou en tout cas, les candidats qui représentent un parti ne sont pas barrés par les préfets. Ça, c'est ce qu'on appelle une démocratie. Dans une démocratie, quelqu'un qui a fait une vidéo disant que Kamto a gagné ne se voit pas déchu de son passeport et dans l'impossibilité de travailler et d'aller nourrir ses enfants. Donc, quand on dit démocratie, il faut que Paul Biya aille dans le dictionnaire et qu'il regarde quelle est la vraie signification du mot démocratie. Et il verra qu'il ne peut en aucun cas l'appliquer à ce pays-là qu'on appelle le Cameroun. Parce que ce pays-là, c'est une dictature maladroitement maquillée en démocratie. Maladroitement démaquillée en démocratie. C'est comme si vous voulez faire, vous prenez un singe, vous lui mettez une perruque, des cheveux longs, un peu de rouge à lèvres, vous lui mettez un peu de mascara et vous voulez nous faire croire que c'est une femme. Donc, c'est pour ça que je vous dis que quand on dit démocratie, il faut faire très attention avec ce mot-là. Et ce que j'aimerais dire, c'est que Paul Biya, qu'est-ce qu'il espère? C'est-à-dire que quand il dit ça, mais qu'est-ce qu'il espère de... Il pense qu'il, comme il a dit ça, la résistance va se dire, Paul Biya a dit que il faut respecter les institutions, il faut respecter les ministres. Il a dit que notre comportement n'est pas un comportement qui sied à une démocratie. Donc les gars, faut qu'on arrête. Là où on est parti, là. Là où la plupart d'entre nous ne peuvent plus mettre le pied au Cameroun. Là où la plupart d'entre nous ont investi du temps. Là où la plupart d'entre nous ont investi de l'argent. Là où la plupart d'entre nous se sont engagés publiquement. Vous pensez que c'est avec ça? C'est avec ça qui va stopper la résistance, qui va stopper la révolution. Donc c'est pour ça que moi je dis de deux choses l'une. Soit Paul Biya veut vraiment qu'on arrête nos choses et qu'on le laisse tranquille, mais à ce moment-là, je pense que la manière de s'y prendre est très mauvaise. De toute manière, cette révolution ne pourra jamais l'arrêter. Mais je veux dire, même si j'étais moi, Dre Boni, son conseiller, mais j'allais lui dire, mais c'est pas avec ça qu'on va avoir quelques résultats que ce soit. C'est pas avec ce que. Parce que pour moi, t'as parlé, c'est comme si t'as pas parlé. Donc c'est pour vous dire que ces gens-là, c'est du foutage de gueule, ils sont dans une logique d'autodestruction. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout détruire tant que eux restent au pouvoir, même si c'est pour gouverner sur des cadavres. Donc c'est pour ça, chers amis, que cette résistance-là, je vous le dis, on est encore dedans. Et il va falloir qu'on se remonte les manches, qu'on se serre les coudes, parce que je ne sais pas combien de temps elle va durer. Mais il est hors de question que cette lutte-là dure pendant des années. Les Congolais ont lutté pendant combien d'années avec les choses des combattants, comme ils disent. Nous, c'est pas dans notre ADN de lutter pendant des 10 ans, des 15 ans. C'est hors de question. C'est hors de question. C'est hors de question. On ne va pas lutter pendant des... C'est pour ça que cette année, chers amis, on l'a dit lors du point presse, nous allons augmenter l'impact, augmenter la pression, augmenter le niveau d'énergie pour que cette année-là, nous puissions avoir des avancées spectaculaires dans la lutte. Pour que nous puissions avoir des avancées spectaculaires dans la lutte, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de lutter pendant des 10 ans, des 15 ans, des 5 ans. On a des familles au Cameroun et nous n'avons pas dit que nous disons adieu à nos familles. On n'a pas dit ça. Oui, on est dit on est prêt à sacrifier, mais aujourd'hui, cette lutte-là, c'est la lutte d'un nouvel ère. Nous sommes dans une révolution du nouveau siècle. La révolution, elle est là. Elle est dans le verbe. Elle est dans les actions, tout ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'es même quasiment plus obligé de mourir pour avoir gain de cause. Ou en tout cas, les pertes humaines ne sont pas obligées d'être aussi importantes que ceux qui se battaient dans les années 70, qui prenaient le maquis, ou qui se battaient dans les années 80. Donc c'est pour ça que je vous dis que la chance que nous avons, vous savez, c'est quoi? Je vais vous dire la chance que nous avons. Ça, c'est les Camerounais. On a beaucoup de défauts.
Les Camerounais ont beaucoup de défauts. On parle beaucoup. Mais on a la chance, c'est que on est inventif, imaginatif et on est intelligent. C'est pour ça que je dis que cette année, nous allons frapper plus intelligemment, mais nous allons frapper beaucoup plus fort. Pour que les coups que ce régime encaisse, il faut que ce soit des coups fatals. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette année, il ne faut plus que les histoires de Congo, ça, ou les choses qui nous font perdre du temps ou de l'énergie pour rien, soient au centre des débats. Ce qui doit être au centre des débats, c'est quoi? C'est les actions, comment faire partir ce pouvoir illégitime. C'est ça, chers amis, c'est ça. Ce que nous avons accompli en un an, c'est déjà une très bonne chose. Parce qu'en un an, on a fait bouger quand même un peu ce régime. On a fait bouger. Vous savez très bien, vous ne savez pas que Mamie Touf Touf, avant, elle venait sur les champs pour faire ses courses, pour acheter ses conneries-là, ses perruques, ses trucs. Aujourd'hui, elle envoie des gens pour faire ses courses, pour acheter ses robes, toutes ses conneries. Elle envoie quelqu'un parce qu'elle ne peut plus se déplacer. Mais c'est une avancée. Mais c'est une avancée. Paul Biya, quand il y a eu le Lyon, Lyon lui a fait prendre la confiance. Lyon lui a fait. Parce que quand il y a eu Lyon, les gens se sont dit quoi? Oh, la brigade anti-sardinard, finalement, c'est pas aussi balèze que ça. Donc finalement, Paul Biya peut venir en France parce qu'on a repris le dessus psychologiquement. Avec l'autre éboueur là, avec sa gifle. Je sais pas, une personne qui donne une gifle à une personne et on pense que c'est tout un mouvement. C'est tout un mouvement qui a affaibli. Non, c'est une personne qui a donné une gifle à une personne. Voilà. Nous, au niveau de la résistance, combien de fois on a giflé? On a giflé des gens à Genève. Est-ce que ça veut dire que c'était la fin des patriotes? Non. Pourtant, à Genève, demandez à ceux qui étaient là à Genève, qu'est-ce qu'on a fait à certains patriotes? Demandez à Genève ce qui s'est passé. Mais on est mais les gifles, c'est léger, c'est rien. Gifles, c'est léger, c'est rien. Kamer Amer, lors du concert de Bendeka à Nanterre, j'étais là. Fils du planteur était là. Max était là. Est-ce que c'est une gifle seulement qu'il a reçue? C'est pas une gifle qu'il a reçue. Il s'est fait massacrer. Est-ce que c'est pas Amer Kamer qui continue d'ouvrir sa bouche sur les réseaux sociaux? Donc, si un massacre n'a pas empêché Amer Kamer de faire ce qu'il faut aujourd'hui, comment les gens peuvent penser qu'une gifle va autoriser le président, pardon, non, le président illégitime, Biya, à venir en France? Donc c'est ce qui s'est passé, les gens commencent à prendre la confiance et puis Biya, pop, pop, il a dit il vient à Paris. Mais quand il est venu à Paris là, mais il a confirmé le code. Parce que les gens qui sont venus, ils ont montré que, hey, Lyon là, Lyon, Lyon, c'est Lyon, Paris c'est Paris. Et comme on dit ici, c'est Paris. C'est-à-dire que Paris c'est le fief, c'est le siège, c'est l'épicentre. C'est l'épicentre, c'est le siège, c'est le vaisseau mère, c'est-à-dire que c'est la base, c'est le QG de la basse France. C'est à Paris. Le QG de la basse du commandant Calibri se trouve à Paris. C'est-à-dire que si tu viens à Paris et que tu nous affrontes et que tu gagnes à Paris, c'est comme si tu dis que, c'est comme si on dit on a perdu à domicile. C'est impossible. C'est comme si le PSG perd au Parc des Princes. C'est impossible. Donc à Paris, on a montré que on joue à domicile et que vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Et je vais même vous dire une chose. Ce qu'on a fait à Genève, nous l'avons fait avec 300 personnes. Le commandant Calibri a été reçu par la police suisse. Et vous savez ce qu'ils leur ont dit? Moi, je suis le conseiller de Calibri. C'est-à-dire que moi, je connais tous les dossiers, mais je suis quelqu'un qui parle pas. Mais je connais les dossiers et je suis au courant puisque je suis le conseiller de Calibri. Donc, je suis au courant de beaucoup de dossiers. La police a dit à Calibri, mais ma parole, mais vous étiez déchaîné, on n'a jamais vu ça en Suisse. Il a dit, mais on a eu du mal à vous contenir. Il a dit, mais si, les Suisses ont dit que si on n'était pas, on n'avait pas mis beaucoup de bataillons, mais Paul Biya était perdu. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que les deux, trois rangées de bataillons suisses là qu'on a affrontés, si on avait percé ces bataillons-là, dans l'hôtel, il restait quoi? La sécurité de l'hôtel, c'est quelques gars. C'est quoi? C'est, allez, peut-être une dizaine à tout casser. Et les gardes du corps.
quart du corps que les Martin Tajo et la brigade d'Allemagne et de Suisse ont affronté. Ils étaient quoi? Ils étaient 11, je crois. À 11, ils ont affronté toute la garde. Donc, sachant qu'à Genève, on était environ 300. Donc, ça veut dire que si à Genève, on était ne serait-ce que 1000, à 1000, à Genève, on rentrait dans l'hôtel. C'est-à-dire qu'à 1000, à Genève, on rentrait dans l'hôtel, on affrontait et on prenait le dessus sur le service de sécurité, on arrivait aux étages. Si on était 1000, on rentrait jusque dans les étages. Arrivait ce qui arrivait. C'est pour ça que je vous dis que impossible n'est pas camerounais. Là, l'hôtel Meurice, qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Combien on était? On était moins de 300. Toute la garde présidentielle a rebroussé chemin. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Et je vais même vous dire une chose. On n'était pas habitué à affronter les gardes du corps. Les gardes du corps ont été affrontés trois fois. Ils ont été affrontés la première fois, c'était à Genève. La seconde fois, c'était à Lyon. La troisième fois, c'était à Paris. Mais vous pensez quoi? À force d'affronter une garde présidentielle, mais tu démystifies. Tu démystifies. Tu démystifies. Ça veut dire que la prochaine fois qu'on va voir ces gars-là, on va les regarder comme des rien du tout. Déjà, on les regarde déjà comme des rien du tout. Mais ça veut dire que la prochaine fois qu'on va affronter ces gars-là, mais c'est-à-dire que même les femmes vont se jeter sur ces cas-là. C'est pour ça d'ailleurs, merci de me faire la passe. J'en profite. Non, j'en parlerai juste après quand je parlerai du 1er février. Mais tout ça pour revenir sur le discours, pour recentrer un peu sur le discours de Paul Biya. Paul Biya est à côté de la plaque. Il n'a pas compris que le vent de l'histoire est en train de tourner. Il n'a pas compris que quand un peuple commence à se réveiller, ça va forcément dans le sens de son émancipation. Ça va forcément dans le sens de son émancipation. Un peuple qui se réveille, c'est pas pour revenir en arrière. C'est pour ça que je dis que son discours, c'est un discours de quelqu'un qui n'a absolument pas compris que nous entrions dans le Cameroun nouveau. Et d'ailleurs, il a prononcé ce mot de Cameroun nouveau, ce qui a été d'ailleurs, mais une blague énorme. C'est ceux qui représentent ce Cameroun dont on ne veut plus. C'est ceux qui ont bâillonné la jeunesse. C'est ceux qui ont tué les espoirs de toute une jeunesse qui parle, qui ose parler d'un Cameroun nouveau. Je vais dans la chambre, je suis en train de faire un live. Donc, je disais, mes chers amis, c'est ceux qui ont emprisonné, embrigadé la jeunesse, qui parlent, qui osent nous parler d'un Cameroun nouveau, mais de quel droit? De quel droit osent-ils nous parler d'un Cameroun nouveau? Mais c'est impossible, parce que ce Cameroun nouveau, il se fera sans vous. Ce Cameroun nouveau se fera avec ceux, simplement. Ouais, le bébé s'est réveillé, il n'y a pas de souci. Avec ceux qui symbolisent la nouveauté. Comment Biya peut symboliser un Cameroun nouveau? Ça voudrait dire que notre futur se construira avec les gens qui sont du passé? Attendez, attendez. C'est comme si vous dites que demain, l'équipe nationale du Cameroun de demain, les buts qu'on marquera, les titres qu'on va marquer, les titres qu'on va gagner, on va les gagner, on va gagner les nouveaux titres, les nouvelles CAN, les nouvelles compétitions avec Roger Milla? Non, 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 non. Non, c'est pour ça que Bia, vraiment, je sais pas, hein, je sais pas qui lui ment, ou je sais pas ce qu'il espère, mais ce Cameroun nouveau se fera sans lui. Lui, il fait partie du Cameroun d'avant. Lui, il fait partie du Cameroun dont on ne veut plus. Le Cameroun nouveau, il se fera avec Maurice Kamto. Et ensuite, il se fera avec ceux qui auront récolté les suffrages du peuple. Voilà, c'est avec ces gens-là que le Cameroun nouveau se fera. Le Cameroun nouveau ne se fera pas avec les Grégoire Ouona, ne se fera pas avec les René Sadi, ne se fera pas avec les Paul Biya, ne se fera pas avec tous ces souffreteux, avec tous ces bouviers qui ont emmené le Cameroun dans l'abîme. Le Cameroun nouveau,
se fera avec des gens nouveaux, avec des gens, en tout cas, qui ont une mentalité nouvelle, avec des gens qui ont des habitudes nouvelles. C'est avec eux que le Cameroun nouveau se fera. C'est pas avec les gens qui ont 80, 90 ans qu'on va construire le nouveau Cameroun. C'est faux. C'est faux. Et j'en profite pour dire que le 1er février, sujet numéro 2, le 1er février, tous les Camerounais, du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, tous les Camerounais, nous avons rendez-vous. Nous avons rendez-vous à Paris. Et souvenez-vous, parce que je viens de le dire, que quand on est à Paris, nous sommes invincibles. Quand nous sommes à Paris, nous sommes indestructibles. Quand nous sommes à Paris, nous sommes intouchables. Paris, ici, c'est Paris. Paris, c'est chez nous. Et c'est justement à Paris que le président élu, le professeur Maurice Kamto, va venir pour rencontrer sa diaspora. Donc, chers amis, c'est là on va voir, mais qui a gagné ces putains d'élections? Qui a gagné ces putains d'élections? Parce que on n'aura pas besoin de payer les gens pour venir recevoir Maurice Kamto, comme ils sont en train de le faire, quand Biya se déplace, on paye les gens, on paye des Maliens, on paye des Tchadiens, non pas des Tchadiens, mais je sais pas, des Maliens, je sais pas quelle origine, pour venir faire semblant d'applaudir. Et puis même les gens sont même pas beaucoup. Mais là, en février, là, c'est-à-dire que le monde entier va voir qui a gagné les élections. C'est-à-dire que Paris va résonner aux couleurs du vert, rouge, jaune, avec deux étoiles. J'ai bien dit deux étoiles. C'est-à-dire qu'on va faire un bruit dans Paris. Mais c'est quoi ça? Il faut que les gens se disent, mais c'est quoi ça? C'est quel président de la République ça? C'est-à-dire que même celui qui a étudié, eux-mêmes, vous allez. Parce que les lives arrivent à étudier. Hein. Donc c'est-à-dire que même à étudier, ils vont dire que merde. Ils vont dire que, mais merde, la honte de ça. Bien lui-même va, mais jamais il va être, lui-même va dire que, mais jamais j'étais accueilli. Voilà. Tu sais que quand tu as été élu, tu es dans le cœur des gens, les gens n'ont pas besoin d'être payés, on n'a pas besoin de forcer les gens, on n'a pas besoin de les tirer de chez eux, on n'a pas besoin de les tirer du boulot, ils viennent naturellement te restituer l'amour et la confiance qu'ils ont en ton mandat. J'ai bien dit en ton mandat. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, le 1er février, si vous avez un mariage, décommandez. Si vous vouliez vous marier, essayez de repousser. Si vous avez un anniversaire, présentez vos excuses. Si vous êtes au boulot, poser un RTT, poser un congé, le 1er février, c'est le pays nous appelle, la patrie nous appelle. Nous allons rendre tous les honneurs. Bien dit qu'il faut rendre les honneurs aux institutions, non? Mais vu que c'est Maurice Kamto qu'on reconnaît, nous allons rendre les honneurs, mais pas à lui, à Maurice Kamto qui a été élu. Oui. Et là, vous allez voir comment on rend les honneurs. Vous avez vu, là-bas, nous, quand on boycotte, on boycotte. Mais quand on rend les honneurs, quand on rend les honneurs, mon frère, c'est-à-dire que vraiment le ciel sera aux couleurs du Cameroun. Donc, chers amis, il faut que ce soit inoubliable. La plupart des combattants que vous connaissez, vous allez les trouver là-bas. Hein. Que ce soit les Max, les Calibri. De toute manière, la BAX va co-organiser le truc. Donc, ça veut dire que ce truc-là, comme c'est chez nous, c'est à domicile, on est obligé de co-organiser le truc. Voilà, c'est pas un débat. Donc, c'est-à-dire que même moi, je serai là-bas. Et quand on va se retrouver là-bas, on se retrouvera entre Camerounais, entre frères et sœurs. Il n'y a pas de un tel star ou un tel star des réseaux sociaux ou grand combattant. M'appelez même pas grand combattant. Vous me voyez, moi c'est Dré. Donc il n'y a pas de grand combattant qui tienne. Vous me voyez, moi je suis votre frère. Moi je suis serviteur du peuple. Je suis un petit. Donc si vous me voyez, il n'y a pas de grand combattant. Vous voyez, on se salue et puis on se congratule. Et puis après, le combat reprend. Donc chers amis, celui qui va rater le 1er février, c'est-à-dire qu'il a raté, il a raté, il a raté. Si vous venez de loin,
Essayez de voir avec qui, comment vous allez vous organiser, mais il faut s'y prendre dès maintenant. Ce que je vous conseille, c'est prenez-y-vous-en à l'avance. N'essayez pas de gérer ça au dernier moment. C'est maintenant. Le compte à rebours, il a déjà commencé. Prenez-vous à l'avance pour savoir si vous avez des enfants, comment vous allez les faire garder. Si vous avez ceci, comment vous allez vous débrouiller. Mais on compte sur vous. Attends, lui, il m'énerve. C'est bon, j'ai bloqué Armand et Cindy là. Je l'ai bloqué. Donc, on compte sur vous. OK? Donc, chers amis, c'est la nouvelle année, c'est 2020. Il faut qu'on reprenne du souffle, on reprenne des forces. Et d'ailleurs, ça tombe bien que ce soit le 1er février parce que ça va nous permettre de lancer l'année. Ça va nous permettre de lancer l'année parce qu'avec la venue du président Camteau, ça fait en sorte que l'année 2020 est lancée. C'est même bon. C'est même bon. Parce que du coup, ça nous permet justement de nous mettre en jambes et de commencer l'année 2020 sur les chapeaux de roue. Sur les chapeaux de roue. Très important. Et après, ça va nous donner la force nécessaire pour pouvoir mener les actions, diverses actions au cours de l'année. Mais sachez une chose, la seule chose que je veux vous dire, chers amis, et je finirai sur ce point-là, c'est que tout ce qu'on veut dans la vie, vous savez, souvent on se dit bonne fête, que Dieu t'accorde ceci, que Dieu t'accorde cela, mis à part la santé. Mis à part la santé. Ça sert à rien que je vous souhaite que Dieu t'accorde ceci, que Dieu t'accorde cela. Pas parce que je crois pas en Dieu, mais parce que dans la vie, quand tu veux quelque chose, il faut te lever, aller chercher cette chose-là. Tous les gens que vous voyez qui sont riches, qui ont de l'argent, qui ont réussi leur vie, c'est pas tombé du ciel. C'est des gens qui ont été chercher leur bonheur, qui ont été chercher ce qu'ils ont, qui ont été chercher leur travail, qui ont été chercher leur business, qui ont été chercher leur maison, qui ont été chercher leur famille, qui ont été chercher ceci, cela. C'est comme ça, la vie sourit aux audacieux. Donc, c'est-à-dire que si le Burkina Faso a pu faire ce qu'il a fait, si le Soudan a pu faire ce qu'il a fait, nous, Camerounais, nous sommes capables de le faire. Même si on dit que l'Afrique centrale est maudite, l'Afrique centrale n'est pas maudite. Parce que l'Afrique centrale, si elle était maudite, la plupart des grandes richesses là se trouvent en Afrique centrale. Mais dans la vie, il faut aller chercher sa bénédiction. C'est-à-dire que si nous voulons que le Cameroun soit libéré, si nous voulons que le Cameroun puisse être libre, si nous voulons ne plus voir ces grabataires au pouvoir et voir ce système, ce régime s'effondrer, il faut que nous allions chercher notre victoire. Il faut qu'à un moment donné, nous nous retroussions les manches et que nous allions faire ce que nous n'avons jamais fait pour obtenir ce que nous n'avons jamais obtenu. La démocratie que nous voyons chez les Blancs, c'est parce que les Blancs se sont battus. Ici, en France, s'il n'y avait pas eu 1789, on serait tous à genoux devant un roi. Aux États-Unis, les États-Unis ont été constitués de gens qui ont fui l'Angleterre. Et puis il y a eu les guerres de sécession, tout ça. C'est-à-dire que toutes les démocraties se sont formées à partir de la bagarre, à partir de la bastonnade, à partir de la revendication, à partir d'une quelconque révolution. Donc aujourd'hui, nous, en tant que peuple camerounais, nous devons passer par cette étape-là, cette étape où à un moment donné, on va chercher le truc. On a déjà commencé, le travail a déjà commencé, on a fait pas mal de choses par rapport à nos parents, parce que les générations d'avant n'ont pas fait ce que nous on a fait. Mais c'est-à-dire que là, il faut passer le stade 2. Il faut que nous passions le stade 2 pour pouvoir obtenir les choses. Obtenir. Je vous dis que Bia va mettre les... Vous savez quoi? Si on fait les actions bien comme il faut, Bia va mettre genou à terre. Il va commencer à nous demander pardon. Irène, comment? Irène? Ok. Elle est bloquée, c'est bon. Donc, chers amis, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait pour obtenir ce qu'on n'a jamais obtenu. Faire ce qu'on n'a jamais fait pour obtenir ce qu'on n'a jamais obtenu. Et je dis c'est cette année. Donc, chers amis, je ne veux pas être long. Je sais que j'ai pris déjà beaucoup de votre temps. Mais voilà, bonne année à vous. Et quand je vous souhaite bonne année, c'est une année sans Paul Biya, sans Atanganji, sans René Sadi, sans Mvondo Ayolo, sans Bidoumpat, sans tous ces vieux-là qui nous empoisonnent la vie. Et on va y arriver.
Nous allons y arriver. Et le Cameroun va prouver à toute l'Afrique que l'Afrique centrale, là, c'est nous les boss. C'est nous les boss. Il y a eu le Burkina Faso, il y a eu le Soudan. En Afrique centrale, là, ce sera nous. Ce sera nous. Parce que les Camerounais n'ont pas été créés pour être les sujets de quelqu'un. Nous n'avons pas été créés pour être les sujets de Paul Biya. Faux. Faux. Nous allons nous libérer. Et puis nous allons montrer à toute la planète que. Et puis qu'on va se libérer là. Il n'y aura plus jamais personne qui va faire 20 ans au pouvoir. Il n'y a plus jamais personne qui va faire 20 ans au pouvoir. Voilà. C'est pour bientôt. Donc, serrons les rangs. Serrons les rangs. Serrons-nous les coudes. Et puis montons d'un degré la pression. Montons d'un degré la pression. Et ils vont mettre le genou à terre. On va récupérer ce pays. Et on redistribuera équitablement pour que chacun puisse se sentir libre, chacun puisse se sentir heureux, chacun puisse se sentir camerounais. Et puis même le fils d'un Ben Skinner, s'il est élu, il prendra le pouvoir. Parce que nous allons installer la vraie démocratie, celle qui permet à n'importe quel Camerounais de pouvoir diriger si ses frères Camerounais lui ont accordé sa confiance. Nous allons rejoindre les pays où règne la démocratie. Nous allons rejoindre les pays où règne le développement. Parce que sans démocratie, chers amis, il n'y aura pas le développement. Voilà. Donc, trop, c'était trop. Oumiobé a commencé, il n'a pas pu terminer. Nous allons terminer ce que les Wandje, Moumié, Oumiobé ont commencé. Et puis nous allons tourner la page d'un Cameroun stérile, d'un Cameroun de népotisme, pour ouvrir une nouvelle page, celle d'un Cameroun nouveau, celle d'un Cameroun d'opportunité, celle d'un Cameroun où celui qui va oser ouvrir la bouche contre son frère, avoir une parole tribalisme, sera châtié selon la loi. Nous allons ouvrir, écrire de nouvelles pages et ouvrir les perspectives pour un Cameroun nouveau. Voilà. Nous ne serons plus seulement champions au football. Nous allons démontrer que économiquement, qu'au niveau de l'intelligentsia, le Camerounais peut être leader en Afrique. Et pourquoi pas leader dans le monde? Les grands cerveaux reviendront pour aider leur pays. Les savants, les ingénieurs, les docteurs, les chirurgiens, tout cela reviendront parce qu'ils verront un pays gouverné avec sagesse, un pays gouverné avec justesse, un pays gouverné avec parcimonie, un pays où l'être humain est redevenu le centre de l'attention et le centre de la politique. Tous ces gens qui ont réussi chez les Blancs viendront maintenant faire du Cameroun une grande nation, une nation écoutée. Quand Trump parlera, le président camerounais aussi pourra parler. Quand Poutine va parler, le Cameroun aussi pourra parler sans apparaître comme ridicule. Quand la Chine parlera, le Cameroun aussi pourra parler sans être ridicule. Parce que c'est le Cameroun qui prêtait aux pays d'Asie dans les années 60, 70. Et tout cela, mes amis, ce n'est pas juste un rêve. Ce n'est pas juste un rêve. C'est un objectif que nous devons avoir. Eux disent qu'ils ont un objectif, c'est en 2035 qu'il y ait l'émergence. Ha, laissez-moi rigoler. Où tu as vu un pays qui sera émergent en 2035 quand 15 ans avant, une simple CAN, il ne peut pas l'organiser. Simple CAN, vous ne pouvez pas l'organiser. Et dans 15 ans, là, on sera émergent. Alors que des pays qui ne sont même pas émergents, ils ont pu organiser une CAN. Des pays non émergents, même le Gabon a réussi à organiser la CAN. Et nous, on ne peut même pas organiser, impossible d'organiser une CAN, mais dans à peine 15 ans, on sera émergent. C'est-à-dire qu'on va tutoyer les pays d'Europe du Sud. Chers amis, laissons ça comme ça. Wata na wata, la patrie ou la mort nous vaincrons. 2020, on est dedans. Le prochain épisode, le prochain rendez-vous, c'est le 1er février à Paris. Et pour le reste, que Dieu veille sur nous, que Dieu nous donne la force, qu'il arme nos bras, qu'il vivifie nos cœurs et qu'il nous mène jusqu'à la victoire finale. Soyons déterminés et c'est notre détermination qui nous amènera au bout. Impossible n'est pas camerounais.
Watana Wata, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. C'était Dreboni.